Je m'appelle Oman Avansou, je suis photographe, d'origine togolaise. Et aujourd'hui, en fait, on va travailler ensemble ce qu'on appelle la vie en fait, d'une photographie de beauté. On va voir de A à Z un peu comment naît une photographie que vous pouvez voir dans les magazines. On va voir un peu quels sont les petits mécanismes, à quoi on pense, qui sont les personnes qui interviennent et comment est-ce qu'une idée naît et termine dans un magazine un beau jour vous donne envie d'acheter un vêtement. Pour ce faire, on va avoir besoin d'une équipe. Pour cette équipe, déjà, il va nous falloir un modèle. Alors, est-ce que l'une d'entre vous, parmi dans le public, aimerait devenir modèle, aimerait aujourd'hui poser pour la photographie? C'est une question ouverte, hein? C'est une question ouverte, n'hésitez pas. Quelqu'un voudrait poser pour votre modèle? Les petits mécanismes qui nous permettent de comprendre ces images. Donc aujourd'hui, on va étudier un peu tout ça ensemble, on va essayer de voir un peu tout ça ensemble, voir comment ça se crée. Tout simplement. La photographie, déjà, c'est un métier assez complexe. Complexe pourquoi? Parce que c'est un métier qui mélange deux choses. Ça mélange énormément d'aptitudes techniques, c'est-à-dire qu'il faut être calé, connaître son matériel, connaître ses réglages, savoir un peu c'est quoi une ouverture, c'est quoi une profondeur de champ. Et c'est un métier aussi qui mélange aussi énormément de, on va dire, un caractère artistique. Pour être un bon photographe, il faut être un artiste, il faut avoir un œil, il faut avoir une sensibilité, il faut savoir se connecter à certaines choses. Maintenant, dans la photographie, il y a des ensembles. Et aujourd'hui, on va regarder un de ces ensembles de plus près. Déjà, la photographie de mode. La photographie de mode, ça désigne une photographie qui se concentre sur les vêtements, comme ça, sur les tenues. C'est la photographie qui met en valeur les stylistes, qui met en valeur toutes ces personnes-là. Vous connaissez le monde de la mode, vous connaissez les magazines. Toutes ces photos que vous voyez dans les magazines, ça rentre dans ce grand univers de la photographie de mode. Maintenant, dans la photographie de mode, il y a un sous-ensemble encore plus petit, plus complexe, un micro-univers, mais qui est très connu aussi de votre part, qui est la photographie de beauté. La photographie de beauté est une photographie où vous verrez des visages très maquillés, avec énormément de détails. Ça se concentre énormément sur le visage et non pas sur le corps. Alors, on a notre modèle. Aujourd'hui, on a une maquilleuse. Alors, c'est très très important d'avoir une maquilleuse pour les shootings photo. Parce qu'aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a un des processus qu'il y a dans la création d'un contenu créatif, d'une photographie. On va ce qu'on appelle high-end photographie, c'est-à-dire une photographie avec énormément de détails, énormément de finitions. Il faut avoir un vrai travail sur le visage, pour avoir un visage qui... Pour ça, la première chose qu'on fait, c'est d'avoir un bon maquillage. Aujourd'hui, on est une maquilleuse avec nous, et on va faire un super travail ensemble. On va? Très bien. On va aller sur, pour la photo, ce qui nous intéresse, c'est déjà avoir un bon teint. C'est-à-dire, on va essayer de travailler le teint. Dans un première chose, avoir la méthodologie du photographe, lorsqu'il discute avec une maquilleuse, lorsqu'il discute avec son équipe, c'est d'anticiper tous les problèmes qu'il aura lorsqu'il sera à la retouche, 1 heure, 2 heures après. L'idée, c'est lorsqu'on sait que par exemple on aura un souci par rapport à ça, on demande à l'équipe, on demande à la maquilleuse, on demande à toutes les personnes autour de nous d'essayer de nous anticiper, de les corriger au fur et à mesure. Voilà la stratégie qu'on va avoir aujourd'hui. Du coup, ce qui est écrit par le capteur numérique, ça a été décidé par la lumière qui est passée par le photographe. Voilà la deuxième condition. Dans ce cas-là, tu dois tout refaire. Tu dois faire ta lumière de feeling, tu dois faire ta cache light, tu dois faire ta back light, tu dois faire toutes tes lumières toi-même. Concrètement, si jamais alors, si on a compris cet habitude, par exemple, dans un film ou dans un magazine, lorsque vous entrez dans un studio photo d'un professionnel, vous allez voir plein de flashs, plein de modificateurs et ainsi de suite. Généralement, ils sont placés à des endroits millimétrés bien précis pour une utilisation bien particulière. Si on place un modèle à un endroit X, il faut absolument qu'il y ait une lumière principale qui nous permet de comprendre l'identité de la personne. On appelle ça la key light, la lumière principale. Ensuite, pour que cette photo ait une impression de volume, une impression de 3D, il faut qu'il y ait une deuxième lumière qui éclaire l'arrière du sujet. On appelle ça une backlight. Si jamais vous voulez aller vers un style plutôt Hollywood, plutôt Paramount, ce genre d'images, il faudra aussi une airlight, qui est une lumière qui vient d'en haut et qui n'éclaire que le haut de la tête et le haut des épaules.
ça va être une airlight. Et ainsi de suite. Et à chaque fois que vous allez utiliser un type de lumière particulier dans le jargon du photographe, il y a un nom particulier pour ce type de photo. Pour ce type de lumière, excusez-moi. Photos pour sa page Instagram, son compte Facebook ou tout simplement des photos de lui-même. Tout le monde pourrait plus ou moins se croire photographe. Et je tiens à attirer votre attention sur le fait que le concept, c'est vraiment la partie la plus importante qui est la conceptualisation du travail. Beaucoup de personnes travaillent, on va dire, à chaud. C'est-à-dire qu'on a envie de faire un shooting photo, on prend un appareil, on appelle des gens, on se retrouve sur le terrain. C'est-à-dire qu'on n'a pas anticipé, on n'a pas pensé à ce qu'on va trouver sur le terrain. La conceptualisation, c'est juste prendre le temps d'écrire, prendre le temps de poser ses idées, prendre le temps de se dire que cet après-midi, on s'est peut-être couvert, on aura peut-être ce type de lumière, on aura peut-être ce type de choses-là. On a tel accessoire, on a tel matériel, on va essayer de réaliser tel type d'image, essayer de penser son image avant même d'aller la créer. C'est la conceptualisation. C'est un travail qui peut se faire seul ou en équipe. Pour des personnes qui sont aujourd'hui présents, qui sont des photographes ou des réalisateurs, je vous encourage énormément à conceptualiser vos shoots avec vos équipes et non pas seulement seul. Vous avez des idées, elles valent ce qu'elles valent, mais elles sont encore plus fortes lorsque vous les confrontez à d'autres personnes et lorsque vous arrivez à trouver le petit plus qui pourrait surprendre d'autres personnes. Ensuite, la deuxième question, c'est construire son set. Et là, on revient à la question que tu m'avais posée tout à l'heure, par exemple. C'est une fois qu'on a une vision de ce qu'on veut réaliser, une fois qu'on sait à peu près vers où aller, il faut qu'on se donne les moyens, en termes de lumière, de pouvoir réaliser cette vision-là. Et dans ce cas-là, on va commencer à placer des lumières. Pour ceux qui ont des lumières, bien sûr, ils vont faire leur montage. Certaines personnes vont aller jusqu'à fabriquer, vont aller jusqu'à bricoler, vont aller jusqu'à faire des déménagements et des installations les plus incroyables possibles. Vous ne pouvez pas imaginer des fois ce qu'il y a derrière les images. Vous voyez les images et des fois vous voyez derrière 20 personnes en train de tenir des bouts de bois, tenir des installations pour que tout puisse tenir, que la lumière tombe parfaitement. Donc construire son set, c'est une étape très très importante pour anticiper ses photos et avoir une bonne qualité d'image. Ensuite, la troisième chose, c'est de mettre en place le shoot. Construire un set, ça veut dire avoir un décor. Ça veut dire avoir un décor et aussi avoir le matériel pour pouvoir construire les images. Construire son shoot, maintenant, c'est mettre son modèle, mettre la personne qu'on va photographier aujourd'hui dans le décor. On peut l'habiller de la même manière, on peut l'habiller dans les couleurs du décor, on peut lui mettre des accessoires, on peut lui mettre pas mal de choses qui rappellent le décor, qui rappellent le photoshoot. Le fait de lier son modèle à son photoshoot, c'est la chose qui va pouvoir permettre de créer des images pertinentes et intéressantes. C'est une chose très très importante. Et enfin, la dernière partie, qui est celle à laquelle vous attendez pour un photographe, c'est de shooter la photo. C'est très très important, bien sûr, au moment J, lorsqu'on est en face de la photo, lorsqu'on est en face du modèle, de pouvoir assurer sur les paramètres techniques de la photographie, d'avoir une bonne netteté. Pour ceux qui sont photographes dans la salle, vous savez à quel point c'est difficile de maintenir une netteté absolue sur un sujet, sur l'œil de son sujet, quelles que soient les conditions dans lesquelles on se retrouve. Et ça, c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment faire attention. Ne surtout pas faire travailler 4, 5, 6 personnes, arriver sur le lieu d'un shooting et au moment de faire la photo, rater sa netteté. Je trouve ça dommage. Vraiment dommage pour toutes les personnes qui ont contribué au shoot. Voilà, ce qui résume à peu près les 4 étapes par lesquelles on doit passer jusqu'à arriver au moment J où on shoot la photo. Maintenant, une fois que cette photo est shootée, qu'elle est enregistrée sur notre capteur numérique, qu'elle est enregistrée dans notre appareil, il reste encore beaucoup d'étapes que vous ignorez parce que généralement, vous êtes très souvent les modèles, vous êtes très souvent les personnes en face de l'appareil. Un photographe, une équipe, généralement, ramène ses images en studio et doit les retoucher et doit les monter. Voilà quelles sont les dernières étapes de la photographie. La première, c'est ce que j'appelle le culling. Le culling, c'est lorsque, par exemple, imaginez que vous êtes allé photographier un mariage. Et pendant ce mariage, vous avez pris 800 images, par exemple, ou 800 images ou 1000 images. C'est énorme. Vous ne pouvez pas livrer 1000 images à quelqu'un. Alors, il y a un moment où vous devez prendre vos 1000 images là, les regarder et choisir quelles sont les images les plus pertinentes pour raconter une histoire. Quelles sont les images les plus pertinentes pour restituer l'ambiance, pour restituer ce que j'avais en face de moi aujourd'hui. L'ensemble des moments, c'est la partie culling. Elle est très importante et aussi elle peut se faire à plusieurs. N'hésitez pas aussi à confronter votre travail à d'autres personnes. N'hésitez pas aussi à donner l'avis des femmes autour de vous. Franchement, je parle pour les photographes hommes qui sont autour de moi. Les femmes ont un œil, ont une vision très très particulière pour ce métier-là. Il y a des choses qu'elles voient et que nous, on ne voit pas tout simplement. C'est important de confronter sa vision. Une fois que le culling est fait, il y a ce qu'on appelle la partie pré-retouche. Pour ceux qui sont un peu familiarisés en retouche, vous devez savoir que... on va dire il y a retouché et retouché. Si vous êtes quelqu'un qui est dans l'image, quelqu'un qui est habitué à faire des montages, quelqu'un qui est habitué à toucher à Photoshop, vous savez qu'avec quelques réglages, avec quelques boutons sur Photoshop, vous pouvez déjà obtenir des résultats intéressants.
C'est ce qu'on va dire. Bon, la première étape de retouche, c'est la valorisation de la photo. Par exemple, vous avez une photo qui est un peu sombre, sous-exposée, il y a quelque chose qui n'est pas intéressant, vous le recadrez, c'est vraiment, ça reste encore dans la valorisation. Maintenant, si on rentre dans ce qu'on appelle la photographie de mode, la photographie de beauté, ce qui nous intéresse aujourd'hui, et qu'on parle de retouche, c'est quelque chose d'un peu plus complexe que ça, c'est quelque chose de beaucoup plus construit. On parle de retouche de peau, on parle de pre-anti-separation, on parle de dodge and burn, on parle de beaucoup de petites techniques qui, mis bout à bout, une à une, nous permettent d'obtenir ces résultats que vous voyez dans les magazines, tout simplement. Cette peau nickel, ces modèles qui ont l'air brillants, ces garçons qui ont l'air parfaites, on dirait qu'il n'y a aucun défaut, que la photo elle est aérienne, elle est bonne. Toutes ces petites choses-là, c'est des choses qu'on obtient un par un, enfin une par une, avec des techniques de retouche, tout simplement. Et enfin, une fois que votre photo est retouchée, il y a une chose qui est très importante que beaucoup de personnes oublient, c'est que tant que vous n'avez pas appliqué un masque de netteté à votre photo reste floue. C'est-à-dire que si vous avez enregistré une photo, si vous avez shooté une photo avec votre boîtier numérique, que vous avez importé cette photo, que vous avez appliqué des retouches, un certain nombre de retouches, que vous l'avez enregistrée, que vous l'avez exportée, vous avez une photo floue. Pour obtenir une photo nette, il faut appliquer ce qu'on appelle un masque de netteté. Et beaucoup d'entre vous, je suis sûr, savent déjà faire des masques de netteté. C'est quelque chose qui est pas complexe à faire du tout, mais ça redonne un résultat incroyable sur les photos. J'invite les professionnels qui sont dans la salle et qui ont l'habitude de travailler les images à vraiment creuser ces techniques-là qui sont très très intéressantes. D'accord? On s'approche de notre maquillage en train d'avancer. On a des yeux qui rappellent la tenue. Excellent. Voilà pourquoi on travaille avec des maquilleuses. Parce qu'elles ont ces petits réflexes-là qui nous permettent d'avoir des images incroyables. Alors, vous dites rien? Je ressens un peu. Intéressant à voir, voir un fichier avant et après retouche, des choses intéressantes à voir. Si certains d'entre vous ne sont pas habitués à des termes comme la photographie éditoriale par exemple, il y a des choses intéressantes aussi que vous pourrez voir derrière l'ordinateur, voir des exemples de ce qui se produit au macro. Ça y est. Notre lumière principale se trouve sur un flash speedlight qui se trouve sur un trépied. Alors on va monter ça. Le flash speedlight se trouve sur un trépied. Il est branché à un connecteur qui est branché directement à mon appareil. Le correcteur se trouve sous cette forme-là. Ce qui veut dire que, flash s'il te plaît. Ce qui veut dire que si j'appuie sur mon bouton, techniquement, le flash me suit et le flash s'allume en même temps. Ce qui nous permet, en fait, en termes de photographe, de pouvoir modifier notre lumière et de pouvoir être exactement la lumière qu'on veut, quel que soit l'endroit. Imaginez la situation où vous êtes photographe de mariage, par exemple, et on vous demande de photographier votre couple de mariés dans une zone où vous êtes en contre-jour. La lumière est horrible, vous le voyez qu'avec tous les téléphones, les mariés sont noirs. Derrière, c'est lumineux, vous n'arrivez pas à maîtriser la lumière. Ce type d'installation et ce type d'équipement vous permettent d'avoir la lumière que vous voulez à l'endroit où vous voulez. Donc ça vous permet de régler tous ces problèmes-là. Alors, on monte la lumière. D'ailleurs, est-ce que Mauvais est là? Il n'est pas là? Ah, ça aurait été bien. Je vais avoir besoin de ton aide peut-être. Tu es avec moi, s'il te plaît? Très bien, la lumière principale va se trouver au-dessus du visage du sujet, de manière à se trouver, on va dire, entre les deux yeux. Il ne faut pas qu'elle se voie de côté ou de l'autre, sinon ça va créer des ombres sur un côté ou à l'autre. Alors, quant au réflecteur, il va se trouver en dessous, voilà. Est-ce que tu peux l'aider à tenir, s'il te plaît? Voilà. Et il doit envoyer la lumière du flash sur le visage du modèle. Voilà à quoi ça va ressembler. On va commencer avec ça. Très bien. Numéro 1. Alors, maintenant, on va reprendre avec quelque chose. Fifi, excuse-moi, on va reprendre. Je ne t'ai pas encore expliqué. On va faire la photographie de beauté, c'est-à-dire qu'on va vraiment se concentrer sur ton visage. Pour mettre ton visage le plus en valeur possible, je te demande de te décaler un peu sur le côté. C'est-à-dire mettre une épaule face à moi. C'est ça, exactement. J'aime bien ce qui se passe. Tu peux, s'il te plaît, descendre le réflecteur pour qu'on puisse l'avoir. J'aime beaucoup ce qui se passe. Maintenant, tu vois l'épaule qui est en avant. Je te demande simplement de la soulever un tout petit peu. Très très bien, j'aime bien ce que tu fais. Et lorsque tu fais ça, n'hésite pas à rapprocher ton menton de ton épaule. D'accord? J'aime bien ça. Ah, ça c'est pas mal, ça commence à venir. Maintenant, lorsque tu vas faire ça, ça c'est la pose que je t'ai montrée. Hein. Il faut que tu te l'appropries. D'accord? C'est-à-dire qu'il faut que tu la fasses de manière à ce que tu sois à l'aise. Ok? Tu peux à l'aise. Pas mal. Ah, excellent. C'est exactement ce que je veux shooter. D'accord? Maintenant, moi ce que j'aime le plus, c'est avoir une photographie qui n'est pas statique. C'est-à-dire que lorsque je t'ai montré une pose, il ne faut pas que tu restes dans la même pose et attendre les photos. Non, n'hésite pas à bouger. Je veux vraiment sentir un modèle vivant. D'accord? On y va? Parti? Très bien. Alors, lumière en place.
pas mal du tout. La lumière, tu descends un tout petit peu. Très bien. Super. Pour le réflecteur, il s'approche aussi un tout petit peu d'elle. Très bien. Super. Alors, le flash. Je vois pas le flash. Ok, quand la lumière est rouge. Okay. Le sourire. Magnifique. Très très bien. Pas mal. Alors, on va revoir un peu plus l'épaule. Non, j'aimais bien l'épaule. L'épaule gauche. Très très bien. Et alors, soulève un tout petit peu le menton aussi. Ça fait bien, regarde avant. C'est rouge? C'est pas rouge? On attend le flash. On attend le flash. Ça va venir. It's a drone. C'est ma fille là. C'est vrai? Excellent. Magnifique, ça commence déjà à venir, c'est pas mal du tout. Alors, regardons ça ensemble. Elle est pas mal, hein? Elle est pas mal, très très bien. On commence à avoir un résultat. Tout le monde pourrait se croire photographe et tout le monde aurait envie de devenir photographe. Moi, je n'ai aucun problème par rapport à ça. Ce sur quoi je veux attirer votre attention, c'est, comme je l'ai dit dans l'introduction, la photographie, c'est un métier qui mélange deux choses. Ça mélange des compétences techniques, c'est-à-dire qu'il faut se connaître son matériel, il faut connaître ses objectifs, il faut connaître plein de petits paramètres qui permettent de régler des problèmes de lumière. Et c'est aussi un métier qui demande des compétences artistiques. Il faut être sensible, il faut voir des choses, il faut voir que là, il y a une lumière particulière, il faut sentir que là, il se passe des choses. Et c'est très, très important. Le problème de la photographie de téléphone, c'est que beaucoup de personnes vont se concentrer sur leur matériel ou vont se concentrer sur le fait d'avoir un iPhone 8 ou 9 pour faire certaines photos et vont oublier leur sensibilité qu'ils ont par rapport à leur photographie. Ils vont oublier que il faut chercher l'angle, il faut chercher la lumière, il faut se mettre sous certaines conditions pour faire des photos impressionnantes. Il faut se mettre en quelque part en danger. Voilà. Donc, si vous voulez améliorer la qualité de vos prises de vue, si jamais vous voulez améliorer votre photographie, je viens juste à vous donner ce conseil-là. N'hésitez pas à trouver votre style, trouver votre œil, trouver les choses qui vous caractérisent, trouver les choses qui vous parlent. Lorsque vous photographiez certains sujets, vous avez l'air plus pertinent que d'autres personnes qui photographient certains sujets. N'hésitez pas à continuer à travailler là-dessus et n'hésitez pas à travailler votre photographie. Les moyens, c'est-à-dire les outils que vous avez entre les mains, les téléphones, ne sont que des outils. Ce sont que les choses qui vous permettent d'enregistrer ces images-là. Mais le vrai travail photographique se fait dans votre œil, se fait dans votre tête. Un photographe, même si vous n'avez pas d'appareil photo entre les mains, c'est quelque chose de très important à dire. D'accord ? Aujourd'hui, on a réalisé un atelier photographie, la photographie de beauté, aux Journées du Bien-être et de la Beauté, ici à Badalabougou. Aujourd'hui, ensemble, on a examiné à peu près toutes les étapes de la construction d'une photographie de beauté. On a ensemble discuté de qu'est-ce que c'est que la photographie. On a trouvé une modèle courageuse dans le public qui est venue se faire maquiller et qui a assisté à l'atelier. On l'a shooté en live devant toutes les personnes présentes à l'atelier. Et très prochainement, nous aurons l'atelier de retouche photo. On pourra assister à tout ce qui se passe derrière le shooting photo. La photographie, justement, curieusement, c'est un métier très très connu, hein. C'est un métier très très connu, mais les gens ne connaissent pas la vision professionnelle de ce métier. C'est bien sûr, il y a peu d'écoles de photographie à Bamako, et j'ai envie de vous dire, c'est le plus beau métier au monde. Tous les jours, on rencontre des personnes différentes, tous les jours, on fait des choses que les personnes apprécient, tous les jours, on est sollicité sur des événements magnifiques, autant avec des enfants que des adultes. C'est vraiment un très très beau métier qui donne une très belle qualité. Tout le monde peut être photographe, tout le monde en travaillant peut devenir photographe. Je ne me cache pas que ce n'est pas un travail facile. Il faut être assidu, il faut énormément travailler pour devenir un photographe. Il faut être concentré sur ce qu'on fait, il faut être sensible, il faut pouvoir voir des choses que les autres ne voient pas. C'est très très important et bien sûr avec énormément de travail, en étant bien entouré, tout le monde, n'importe qui peut devenir photographe. Bon, ça va résumer un peu l'ensemble de la présentation que j'avais pour vous aujourd'hui. D'accord ? Merci à vous. Merci infiniment. Et j'espère qu'on se voit très rapidement. La prochaine fois, ce sera pour les retouches. Je vous assisterai à ce qui se passe après cette étape-là, après qu'on ait photographié, après la photo. Tout de suite. On va organiser ça. vous assisterez à comment est-ce qu'on retouche la photo, comment est-ce qu'on met en valeur une photo, comment est-ce que la photo passe vers l'appareil, dans un magasin.